bonjour à toutes ces Maximou là. Oui, je sais, c'est pas cadré. Oui, j'arrive pas à cadrer. Putain de carton de merde, ils vont jouer ce putain de trépied. Oui, je suis putain de vulgaire aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour la putain de semis de Resident Evil. Ouais. Avec Chris qui est tranquille. Resident Evil Rebirth. Ah putain, je suis pas du tout enthousiaste à faire cette semis. Quel con, pourquoi j'ai fait cette solution normale, putain, avec Chris. Je suis con des fois. Oui, ça me fait chier que ce soit pas cadré comme il faut. Bon, alors, première chose qu'on va faire, c'est cramer des cadavres. Donc là, on avait cramé ces deux-là, on va cramer ceux d'en haut, mais je suis sûr qu'ils vont se ressusciter en crime, ça donne. Donc là, j'ai ouvert la serrure. Oui, j'ai ouvert la serrure, mon bon monsieur. Alors. Voilà. Regardez, barbecue gratuit, hein. C'est comme ça qu'on fait un kebab, hein. Bon. Voilà, ça c'est fait. Attends, on y va. Oui, j'ai cramé le deuxième cadavre, rassurez-moi avec. Oh, et puis merde. Et puis s'il se relève, on est dans la merde. Oui, je sais, c'est mal cadré. Pourquoi ? Faut qu'on voie un bout du noir en haut à gauche alors qu'en haut en bas à gauche c'est tout à fait normal. Monsieur, vous pouvez m'expliquer ? Pourtant c'est bien cadré, c'est pas penché. Enfin, je veux dire, le carton est bien empilé. Ah, pourquoi c'est penché ? Je comprends, il n'y a pas de logique à ça. Bon, alors là, au lieu d'avoir une herbe rouge, j'ai une herbe verte. On a une herbe verte. Ah oui, hein, mode normal. Hein. Ouais, apparemment aucune habitation dans les environs. Enfin, heureusement. Hein, ceci. Cheminée sans feu. Putain, j'ai pas le briquet. Ouais, je récupère le plan, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, je vais chercher le briquet. Mais oui, mon pays, bonjour, le briquet. Newfie or not newfie? That is the question, newfie. Newfie. Bon. Une fois qu'on aura fini de fouiller, bah, dès qu'on aura récupéré la carte, on fera demi-tour. Et on retourne voir Francis. Tout à fait. Oh, on a quelques trucs à lui dire. À ce bon vieux Francis. Bon, ça, je peux reposer, j'en aurai pas besoin tout de suite. Ne me demandez pas pourquoi je suis descendu alors que je voulais aller en haut. Je fais des trucs, je perds la boule. Je perds la boule. Je pense que cette vidéo va être constituée entièrement d'aller-retour. Je te le parie 100 000. Bon. Alors, il est où ce putain de briquet? J'ai passé une putain de journée, hein. Il est là, non, le briquet? À moins que... Oh non, putain, on commence direct avec le briquet avec Chris, c'est vrai. Il s'agit d'un briquet en laiton. Voilà, je viens de me faire un chemin pour rien. Je...
Écoute-moi bien, Maxime. Encore une moindre connerie et je me pends. Ouais, bah putain. Ça va? Je parle à moi, je parle pas tout seul, les gens. Je suis pas fou. Je vous pose aussi la question, les gens, comment avez-vous trouvé merde, enfin, ça le sketch de la confrontation finale entre moi et un exécuteur. Dites ce que vous en pensez. Manoir premier étage, merci. Voilà. Ah, contrairement au mode facile, je vais tout prendre. Hein. Ah, les herbes, je les néglige pas. En mode facile, j'avais laissé des endroits avec des herbes, mais non, là, je m'en fous si je fais 15 000 allers-retours. Dans les herbes, c'est sacré. Non, ouais, je vous ai posé la question. T'as intérêt à me répondre, sinon je vous bute. Bon. Non, pas en bas, Chris. Allez, on va dire bonjour à Francis. Par Francis Huster. Par Francis Cabrel. Et par Francis, celui de Left 4 Dead. Non, Francis le zombie. Francis. C'est toi notre Francis. Aujourd'hui. Alors Francis, c'est bien là? Il est où? Ouais, il est bien là. Non! Oh putain, je fais déjà le con. Ouf, c'est bon, je suis en OK. Je me jette à la gueule de Francis, je suis un peu con. Non, je le bute pas. Francis, je le buterai jamais. Allez, la clé épée. Au revoir, Francis. À demain. C'est dans quel endroit qu'on utilise encore la clé épée? Ah, putain, je m'en rappelle plus. C'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne dotée d'un mécanisme raté dans ça. Donc, il faut un crochet de serrurier. Les vieilles clés. Oh putain, là on va se marrer. Là on va se marrer. Il y a deux zombies et je pense que je n'ai pas assez de balles pour pouvoir tous me les faire. Attends, il n'y a pas de sang qui s'écoule de lui, c'est quoi ce bordel? Ah! Donc celui-là était bien mort. Merci de m'avoir fait gâcher des balles. Et attends, le mec, il n'y avait pas de sang qui s'écoule! Il n'est pas censé être mort donc! Ouais, celui-ci est mort depuis quelques heures. Eh, hey, arnaque là! Moi, ouais, je suis dans la merde sans balles. J'ai caché 4 munitions en l'air, hein. Alors, même une armure, vas-y. Avec des portes verrouillées. Tout compte fait, je vais devoir avoir besoin de résoudre. Je vais devoir manger mon gros caca. Messieurs, j'ai besoin de balles. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Pas des munitions, je devine. Faut aller où déjà?
sur cet adresse ou des équivalents des élixirs qui vous sont inconnus. La plupart d'entre eux ont une teinte. Change de teinte. Alors, ouais, mais évidemment, il n'y a que dalle, hein. Bon, la carte. Ah oui, le joyau. Bon. Faut que je trouve une vieille clé. Sans la vieille clé, je suis dans la merde. J'ai pas de munitions. C'est prêt? Oui, je n'ai pas de munitions. Faut que je récupère des vieilles clés dans des endroits où il y a plein d'ennemis. Oh putain. Toi, je te crame. Putain, pas que je me crame tout seul. Attention. Au revoir, Jérôme. Après Jérôme, c'est forcément. Oh putain. Vous avez dit qu'avec Chris, on va faire plein d'allers-retours. Hein. Tout comme ça, je sais pas si j'arriverai à le finir assez rapidement avec Chris. Putain, une vieille clé. Oh là là. Non, sans deck. Bon. Où est-ce qu'il reste des trucs à récupérer? Dans l'autre couloir, t'es sûr? Et où est-ce qu'il faut utiliser la clé? Et puis en dernière. M'en rappelle plus. On va passer par en bas? Oui, par là où il y a les chiens, mais bon. Je déteste ça. Bon. Je suis dans la merde. Je suis sûr que les chiens, ils sont là. On va changer d'itinéraire, on va repasser par en haut. Oui, je fais des putains d'allers-retours. Bon, on va déjà récupérer le joyau dans la salle à manger. Déjà, il y a un truc de fait. Putain. Je suis comme un con, hein. Super avancer rapidement. Déjà qu'avec Jill on avançait pas rapidement, mais avec Chris. Oh putain. Ça va Francis? Manquerait plus qu'il tombe, hein, Francis, et qu'il m'agresse ensuite. Ah si, je me rappelle où on peut utiliser encore la clé. Mais il y a un zombie sur le chemin. Oui, c'est la cuisine, putain. Sauf qu'il y a un putain de zombie sur le chemin. J'ai plus de munitions. Je suis à la dèche là, hein, c'est pas possible. Putain, je vais. Si ça continue, je vais être en mode roumain là. Hein.
S'il vous plaît, monsieur, des munitions, des munitions. S'il vous plaît. J'ai besoin de munitions. Alors déjà que les soins, ça en manque, alors en plus les munitions. Ah putain. Oh là là, putain. Je crois que ça c'est le mot que vous avez le plus entendu dans cette vidéo. Arrête Laura! Et là il va y avoir une connerie du genre, la poignée est cassée, vous pouvez plus passer. Ah bah qui sait, en mode facile c'est deux fois que tu peux passer, mais peut-être qu'en mode normal qu'une seule fois. Ça me casserait les couilles ça. Mais qui c'est qui va la réparer ensuite? Bon, dernière fois où on peut passer cette porte. Faut que j'en profite là. Donc là on va aller à la salle de bain. Je vais me faire toucher par l'autre zombie dans la salle de bain, ça j'en suis sûr, mais bon. Déjà, je vais aller là. J'avais dit que j'y allais pas, mais il y a des petits trucs à récupérer sûrement. Ben, j'espère. Outre que le fusil à pompe. Oui, parce que le problème, vous devinez, il va falloir trouver un mécanisme pour pouvoir prendre le fusil à pompe. Parce qu'avec Jill, c'est Barry qui était venu nous sauver. Mais vu qu'on est Chris, personne ne va aller nous sauver. Eh ouais. Putain, y a que des rubans. Pourquoi je regrette d'avoir pris le ruban? Là, je tombe sur des putains de munitions, mais je peux pas les prendre. Quelque chose a brûlé ici. Ouais, c'est bon! Fais pas ton James! Donc là, le pompe. Qui nous sert à rien. Putain. Bonjour Nubi. Nubi. Et pourquoi ils ont placé des pièges partout dans leur maison? Putain. Déjà que dans Professeur Layton, c'était pas logique que tout le monde se lance des mystères comme ça. Hein. C'est vrai que tu te promènes dans la rue. C'est tout à fait normal qu'il y ait un mec qui t'interpelle en disant « Hey, j'ai une énigme à te poster !» Oh putain, il m'a foutu les boules celui-là. Je m'y attendais pas. En même temps, je l'ai jamais laissé vivant ce zombie, je m'y attendais pas. Bon, comme je disais, bah c'est vrai, il t'accoste pour dire « Hey, j'ai une énigme à te proposer !» Normal. Oh là là. Bon, il est où? Ha ha! Bon, maintenant on a un zombie dans ce couloir. Ah, c'est bien, je vais pouvoir récupérer l'item tranquille maintenant. Sauf si il rentre dans la salle de bain. Mais là, ça m'emmerderait. C'est une vieille clé, mais je peux pas la transporter! Bon, faut que j'utilise le spray! Je sais ce que vous allez me dire. J'ai fait une putain de connerie. Mais bon, c'était pour la vieille clé. C'est ça où on n'avançait pas du jeu, hein. Parce que je repasse pas par le couloir des chiens, hein. Là, je veux bien le repasser une seule fois, mais pas une deuxième, hein. Sans avoir de munitions. Donc, résultat, il me reste plus qu'une herbe verte. Le spray... Ça va! Ça pourrait être pire! Oh, il te manque juste une petite côte, hein, chien! Oh, l'esquive! Ouais, j'ai fait mon Michael Jackson, là! Yo, moonwalk, hein! Bon! Bon! Je regrette d'avoir gaspillé mes munitions! Surtout le zombie de cette salle aussi, j'aurais pu l'éviter celui-là. Putain, je me tuerais des fois. Bon,
Bon. Question. Quelle salle vais-je utiliser la vieille clé? Allez, la salle avec le machin vide de chouette. Mais je veux pas vous spoiler. Bah la pièce là qui était fermée là vers l'infirmerie, je vais utiliser là. Question stratégie. Alors, il est où ce con? Ok. Quand t'as plus de munitions, Chris il pointe plus vers l'ennemi. Ah si. Non, je suis en train de me poser la question. Bon, et on va se quitter juste après là. Oh putain. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous adorez me voir galérer. On se retrouve prochainement pour une vidéo. Je sens que je vais encore galérer. Bye.